À une semaine du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire, le retrait des cartes d'électeurs devrait prendre fin samedi dernier, comme initialement prévu. La distribution des cartes d'électeurs s'achève au plus tard, 8 jours avant le scrutin, c'est-à-dire ce jour du samedi 17 octobre 2015. En conformité avec la date du scrutin qui a été fixée par décret au 25 octobre 2015. Cette décision de la Commission électorale indépendante, CEI, devrait empêcher à des centaines d'électeurs de ne pas pouvoir accomplir leurs droits civiques le 25 octobre prochain, date du scrutin. Là, je suis venu retirer ma carte d'électeur et que, bon, voilà. C'est dommage que je suis venu tardivement, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Dieu merci, j'ai pu retirer ma carte. Par un communiqué, la commission électorale a prorogé le délai de retrait jusqu'à mercredi, ce qui permettrait aux retardataires de pouvoir récupérer leur carte d'électeur. Ça a été une très bonne chose que le délai ait été prorogé. Nous saluons cette initiative de la CEI et du Conseil constitutionnel. Les populations ont un peu traîné parce que vous savez, par ce temps de rentrée scolaire, les préoccupations sont nombreuses et la sensibilisation, il faut le dire, au plan national, n'a pas été très forte. Donc au fil du temps, les jours approchant, ils savent qu'il y a des enjeux. Plus de 6 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales. 8 candidats, dont le président sortant Alassane Ouattara, sont en liste pour ce scrutin.